touriste. Après le match, René me fait deux. Il s'est sorti sur un 0-2. Un 0-2 est difficile de reprendre plus aujourd'hui. Il y a du boulot. C'est le cas de le dire, il y a énormément de boulot. Mais bon, on va pas chercher d'excuses. Même en étant ici pendant deux jours, on a pris des décisions qu'on pensait qu'il allait être les bonnes. Et ça n'a pas payé. On a commencé le match médiocrement. Je pense que c'est le cas de le dire. Et après 20 minutes, 25 minutes, 0-2, on s'est un peu tiré dans le pied nous-mêmes. Et c'est dommage parce que le premier but tombe sur un corner pour nous, sur un contre. Ok, c'est pas. Normalement, à ce niveau-ci, c'est impardonnable. Et puis on prend une phase arrêtée 0-2, et puis c'est difficile. Mais nous allons essayer de regarder un peu le positif. Et le petit brin de positivisme qu'on peut avoir, c'est qu'à 10, les dernières 20 minutes, on a encore essayé de faire quelque chose. Et avec un petit brin de chance, peut-être si on s'est marqué un petit but sur une autre phase arrêtée, parce qu'on n'est pas eu l'occasion. On peut revenir dans le match, mais on ne l'a pas fait. Donc, tout qu'on fait, c'est une petite gifle. Mais une petite gifle qu'on peut placer, parce qu'en principe, on va essayer de commencer d'une bonne façon mardi. Il y a un gros match qui nous attend au Lyrs. Là, on a toute une semaine pour travailler et j'espère qu'on va tout faire pour améliorer le tout. Ah, c'est vous, le talentueux aujourd'hui. Quelle est votre ambition pour la compétition? La compétition, je la connais un peu. Je veux dire, le niveau n'était pas bon. Pas mal mangé aujourd'hui l'équipe adverse, mais ce n'est pas l'équipe top en division 1 amateur. Donc, c'était un fait de devoir nous améliorer sans cesse. Vous avez joué au début des années 2000, revenir ici et d'un nouveau défi? Oui, tout à fait. J'ai, pendant deux ans, j'ai un peu été dans l'ombre, hein, comme T2. Mais le club de mon cœur m'a fait une bonne proposition pour revenir avec un beau projet. Et c'est dommage, j'ai commencé avec un échec, mais c'est pas grave. Le travail à terme payera pour nous. Vous avez été champion des deux avec Constance en 2013. Est-ce que vous vous sentez capable de faire pareil ici? Là, on a été champion avec Constance, mais on a aussi joué les playoffs 2 avec Constance. On a gagné les playoffs 2 avec Constance. On est passé à gagner la coupe, on a gagné le championnat avec Malin. En tant que T2, mais bon, on fait partie du staff. On va essayer de tout mettre en place. Ça ne va pas être facile, on a un peu de retard. Puis la préparation, puis l'arrivée tactique de quelques joueurs. Je vais demander, en tant que Moulin-Bécois, je vais demander un peu de. Un peu de patience aux supporters. Je sais, c'est pas évident à avaler une défaite aujourd'hui au premier match au championnat de domicile. Je vais demander quand même un peu de patience, un peu de t'attendre. On va travailler très dur et on va essayer de remettre ça en place. Tout bien de mettre en place. Qu'est-ce que les Rouédiens vous ont apporté quand vous étiez joueur ici? REM m'a propulsé dans un certain sens dans ma vie. Ça m'a permis d'avoir mon premier contrat pro. On a connu pas mal de choses, aussi bien en tant que joueur qu'en tant que supporter. J'ai connu quelques moments difficiles, mais c'est surtout les beaux moments, la chaleur du club, le club familial, l'entente entre tout le monde. C'est toujours la même personne qui sont là, qui fait que on a envie de travailler jour et nuit pour ce club. Est-ce que venir ici avec une nouvelle stratégie est difficile pour les joueurs? Tout à fait, surtout qu'on n'a que deux jours. Et on sent aussi que les joueurs ils étaient dans un doute, après une préparation un peu en dents de scie. Nous allons essayer maintenant de regarder devant nous, pas regarder derrière nous, ça ne sert à rien. On va regarder devant nous et on va essayer de tout remettre en place pour les semaines qui viennent. Quelle est votre vision du foot? La vision du foot, c'est vraiment c'est un foot agressif, un foot vers l'avant, essayer de jouer le plus haut possible. Mais bon, aujourd'hui on a vu que c'est pas toujours évident de mettre ça en place en quelques jours. Maintenant j'espère qu'on va travailler un peu plus qu'auparavant, on va instaurer plus d'entraînement, on va instaurer plus de moments au club et plus de professionnalisme, parce que je pense que c'est nécessaire après aujourd'hui. Et petit à petit on va voir les améliorations. Donc quel système de jeu vous voulez venir? Le système de jeu, on joue à 4 derrière avec 2-6, un 6 un peu plus bas que l'autre, un 8 un peu plus offensif, un peu comme Denis Kendall 20 minutes. Avec beaucoup de verticalité et beaucoup d'apport offensif. Malgré qu'aujourd'hui, malgré la fonction de joueur offensif sur le terrain, on n'a pas apporté ça. Est-ce que moi, en venant ici, vous connaissez déjà les qualités des joueurs? Je
j'en connais pas mal, hein, beaucoup de joueurs contre qui j'ai, avec qui j'ai travaillé, hein, contre qui j'ai joué, avec qui j'ai joué encore. Donc je connais pas mal. Mais bon, il y a quand même quelques points, mais sur les i. Vous avez dit que vous étiez de retour à la maison. Qu'est-ce que représentent les galettes, les quatre lettres magiques du club ? Pour moi, c'est magique. Pour moi, c'est ma famille. Mais moi, c'est. Moi, quand je vois ces quatre lettres-là, quand je vois les couleurs, j'attrape la chaîne de poule. Et je dois dire une chance que je suis là que deux jours, parce qu'après un match comme ça, moi, c'est ma fierté, c'est mon club, c'est ma maison. C'est quand j'appelle le stade, le temple. Et quand je vois aujourd'hui comment on commence un match, premier match de championnat à domicile, je vais emporter, malgré que je suis là que deux jours, c'est moi qui prends la responsabilité, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Moi, j'ai pas peur de ça, aujourd'hui, on a fait un très mauvais match et on sait que ça s'améliorer. Et je prends la responsabilité d'aujourd'hui. On ne regarde pas derrière, on regarde devant nous. Et c'est moi qui est là, c'est moi qui a fait l'équipe. C'est donc on va porter les responsabilités. Merci, cool, pour l'interview. Bonne saison. S'il vous plaît, merci.